Eh bien, salut à tous! Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec de sublimes petites boîtes. Quoi? Oh, je sais pas, je devais te gratter la gorge, je me suis dit peut-être que t'allais encore à nouveau tousser. Non, je me retiens. Du coup, comme dit, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir des sublimes petites boîtes à l'effigie des starters de Pokémon Arceus. Bah, tout était dit en fait. Trois boîtes avec les trois. Starters, j'allais dire boosters avec les trois starters. Boîte contenant chacune, si je ne m'abuse, 4 boosters. C'est bien, t'as lu juste avant. Une carte promo. Non, j'ai lu que le nombre de boosters. Donc 4 boosters, une carte promo et peut-être un jeton. Je vous dis ça de suite. Je suis pas sûr du jeton. 4 boosters, une carte promo et une carte de code. Ah, y a pas de jeton, vous voyez. Bon. On va préparer tout ça, je pense, si on se retrouve dans un instant. Ouais, comme dit, ça se voit qu'elles sont encore scellées du coup. C'est tout. Go! À tous! Et bien, du coup, comme dit, on a tout ouvert. 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour chaque booster. Et on va montrer les cartes promotionnelles de plus près. Je te laisse commencer. On va peut-être les sortir. Oh, quoi que. Oh non, je vous le présenter comme ceci, avec le petit fond qui va avec. Donc, le Clamiral de Hisui en V. Qui est en train d'attaquer. Après. Bref. Pas tout à fait. Ok, c'est parce qu'il a une lame en main. Parfois, j'ai du mal à comprendre leur position. Mais voici. Le Clamiral. Et hier, ils sont tous en train d'attaquer. Oui. Je comprenais pas sa position. C'est tout. Alors que l'archiduc, c'est simple. Il tient une flèche et il s'appelle de couche. Donc, voici le joli petit archiduc de Hisui V. Je le trouve marrant, en général, avec son chapeau. Voilà. Et je te laisse finir avec le petit Flosion. Donc. Pareil, Typhlosion de la même région qui est issue. Voilà. C'est laquelle t'as préféré? Je dirais Typhlosion. Pareil. Du coup, on va commencer comme d'habitude du plus ancien au plus récent. On va juste chacun avoir une boîte et puis ensuite on va se partager la dernière boîte. Ou la boîte du milieu, la dernière boîte. On a parlé en même temps. On commence. Oui. Alors, donc, vous avez un Monorpal pour ma part. Lixi. Scorplane. Cacnea. Scorplane. Cacnea. Electek. Scorpion. Electek. Chétiflor. Charpentier. Chétiflor. Charpentier. Archéomir. Gricui. Énergie électrique. Oh. Tour de l'eau. Pérégrin. Luxio. Scorbol. Oh, pas plus. Mais j'aime bien Scorbol. Ah, on va du retard. Jeanfleurey et Jean-Targe. Le Chafron en reverse. Le Monsieur Blackett de Galar en reverse. Je vais faire Blackett. Ah, Blackett, hein. Bon, Chafron, bon, bah, c'est dans le monde. Et on finit avec un Moyade. Malamandre, je préfère Malamandre. De même. Doucement mais sûrement, j'espère. Bon. Après, on peut pas toujours avoir quelque chose. Après, on a quand même 12 boosters là, non? Oui. On enchaîne? Oui. On enchaîne. Donc, point de fusion. Scorplane. Férosinge, Scorplane. Préférence pour Férosinge. Charivari. Cradopo, Charivari. Demain. Guimagna. Flamajou. Flamajou. Skitty. Mumuscule, Skitty. Mumuscule. Il est plus marrant. Hexadron. Embrochet, Hexadron. Énergie ténèbre. Électrique. Skatepark. Boumata. Belle des neiges. Cocomba. Belle des neiges. Fenard. Écolière. Maracachi en reverse. Desseliand, tu peux faire Desseliand. Et toi, c'est Mara reverse. Maracachi, oui. Et on finit avec... Hein, Deoxys, point de fusion, point final, 1000 points. Melmetane, point final. Oui, ça fait beaucoup moins. Et de... Et ben je préfère mon Melmetane. Moi pareil. On va continue. Enchaîner avec les astro-radieux. Baudrive. Simularbre. Simularbre. Baudrive. Apitrini. De même. Carsal. Ah, on est sur des boosters doublons. Le double Goupilou. Le double Togepi. Combat. Peut-être que maintenant ça va changer. Oui, à partir de là, c'est différent.
Gros drive. Parfum inhibiteur. Chaussures de randonnée. Cochignou. Il est marrant, il a l'air étonné. Oui. Un aquacouac. Vitalité de flot. Un étreinte radieux. Grave cool. Je crois que j'ai déjà, malheureusement. Oui, elle fait partie. Il n'y a pas énormément de radieux et effectivement, celle-ci, on l'a ouvert hors cam. Elle est cool. Vous voulez peut-être la montrer de plus près? Oui. On la montre. C'est une shiny en soi. Ouais, avec plein de jolis effets partout sur la carte. Oui. Et du coup, moi, j'ai mon matloutre, donc il traîne. Et on finit avec le Dialga originel. Moi, j'avais rigé les qui, mais je me laisse, hein. Dialga, on l'avait déjà. On a ouvert un Dialga la semaine dernière. On a aussi eu un originel. C'était Dialga, je crois. Je crois que c'est celui qu'on a eu la semaine dernière. C'était Dialga ou Palkia maintenant qu'on a eu l'original? J'ai un doute. Bon, bref, le Dialga originel en V. Pour moi, c'était Dialga. J'ai vraiment un gros doute en fait. On est outré, les amis. On a eu un petit problème. Ça s'est arrêté de filmer à partir du moment où on vous a montré le Dialga. On sait même pas précisément où. Si, c'est après le Dialga, du coup, après, c'est juste le... C'est ça, le du fond. Coup, en fait, c'est les deux derniers boosters qu'on a ouverts, vous ne les avez pas eus. Elle a rien eu de ouf, moi j'ai eu ceci. Et j'étais outré. Voilà, c'est la pire présentation, c'est-à-dire, j'ai eu deux grosses cartes, ça a été cut, je vous les montre comme ça, du tac au tac, vous savez pas d'où elles sortent. Mais en gros, il y a un booster chacun qui a été cut. Donc voici le résultat de mon booster, tandis qu'elle n'a rien eu. Moi, je peux vous montrer rapidement, hein, mais c'est pas... J'ai pas eu grand-chose, j'ai fini sur un Arcanin. j'ai même encore dans l'ordre, puisque je les garde. Popotas, Sérissandre, Sécateur, Caninos, Archéomir, Eau, Fossile et Flèche, que je trouvais très jolie parce qu'il y avait un peu le flou ici. Je vous rapproche, en fait, je suis bête. Gros Drive, Magnéti et Arcanin. Voilà, donc ça c'est plus ou moins la partie que vous avez manqué parce que la cam a coupé. Et on allait justement enchaîner sur la dernière boîte. Donc elle a pris le booster point fusion, j'ai pris le booster style de combat. Et on va recommencer, enchaîner. Ça va recommencer, oui, on va enchaîner. On s'en est rendu compte au moment où on voulait le faire. Ben, c'était un micro noir, on s'est fait « Ah mince !» C'est que la première carte qu'on a vue. Oui. Qui est notre carte de présentation, qui est la première qu'on voit. Donc, Cacnea. Nounourson. Du coup, pas de même extension. Misdibule. Cryptero. Misdibule. Spoink. Toxizap. Monsieur Mime de Galar. Kayminus. L'épidonyl. Laporeille. Énergie eau. Ténèbres. Fernite. Belle des neiges. Moustère style point final. Flamoutant. Sarah. Grebe d'adieu. Vortant en rigueur. En brochet. Et on finit avec. Et ben voilà. Elle en a eu une. Une qu'elle va dire qu'elle aime pas, mais elle en a eu. C'est juste que sur les points de fusion, il y avait énormément de ringrigou et j'étais étonnée d'être passée au travers des ringrigou. Et ben j'y échappe pas. J'ai un ringrigou, mais Vmax, il me parle pas. Quoique, on en a peut-être déjà un ringrigou. On a un ringrigou. Je sais plus si c'est le Vmax ou non. Mais il est cool. Vmax, on en a pas souvent, donc je suis très contente. Elles sont super colorées, j'aime bien. Donc j'ai au moins quelque chose. Hein, okay. Ah bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Vmax. Hein, tu regardes toutes celles qu'on a eues jusqu'à maintenant dans cet opening, c'est que du V. Oui. Mais même la semaine dernière, c'était V. Oui. V-Star, on a très 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 rarement. Et aussi, tu veux choisir ton booster? Y'a qui? Je préfère les flèches. Hein? Je préfère les flèches. Bah prends les flèches, je prendrai Dialga. Oui. Du coup, on termine comme dit. En espérant que la caméra ne se coupe pas. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là. Voltorb. Furiglon. Marcaquin. Quillefiche de Issui. Marcaquin. Chaglam. Brindibou. Pidgeotto. Quillefiche de Issui. Pidgeotto, oui. Un magnifique Ponyta qui boit auprès de la source d'eau. Boustillon. Je préfère Ponyta, les gars, plus jeune. De même. Énergie électrique. Plante. La Plume Ball. Lino. Créelf. Électrode de Issui. Il a l'air vénère. Mais genre, il est pas très beau. Genre, il a un petit trou.
T'es bon? Ouais. T'as fini de le dénigrer? Il regarde ses yeux? Oui. Préférence pour Créelche. Pareil. Loterie d'énergie. Piolet courageux. Shining Reverse. Rare Reverse? Non, même pas. Si, Rare Reverse, si, si. Le fortifiant obscur. Obscur. Obscuré. Si. Et on finit avec un Serbilin en holo. C'est du style, je préfère Serbilin. De même. Donc, pour ce recap, nous avons le E-Train Radieux. Il fait partie de celui que vous avez loupé de base, je sais plus. Non. Non, c'est pas celui-là que vous avez loupé. C'est l'autre E-Train. Donc, que vous aviez vu. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. Donc celui-là, on l'a vu, on sait déjà à quoi il ressemble. Il est beau, il est magnifique, il brille. Il est joli. Il est shiny. Et ouais. On est des... Pi. Bravo. Elle avait déjà oublié. Donc le E-Train. Celui-là, vous avez été coupé. C'est l'Achécateur en Trainer Gallery. Qui paraît être une très belle carte. Je suis très vite zappé, du coup, vu que je voulais mettre à la vie. Parce que t'es très proche, parce que aussi... Oui, je suis très proche, mais vous pouvez l'admirer de très près. Trop près. Trop près. Voilà. Je te laisse présenter les tiennes. Enfin, les tiennes. La tienne. Avec mon petit Ringrigou VMAX là. En vrai, il est cool. Il est marrant. Mais elle me dit quelque chose, donc j'ai un doute si on l'a celle-ci. Hop. Voilà. Du coup, pour finir ce recap, nous avons le E-Train V. Full art. Full art. Et le derrière est magnifique, j'adore les couleurs. C'est vrai, très belle couleur en fond. Et également le Dialga qui est également en full art. Original s'il vous plaît le Dialga. Pas full art. C'est pas un full art? Non. Pas la même tête que celui-là? Non. Ah pour toi ça c'est... La partie blanche en dessous c'est pas full art. Ouais je sais pas, elle est estompée, pour moi ça fait pas. Non, ouais. C'est pas du full art. Ok. Il dit pas du full art. Le Dialga original. Voilà. Ce qui va pouvoir... Regardez comme il écarte sur les siennes de la mienne. Bon, je peux les mettre, mais... La tienne paraîtra juste un peu plus ridicule, quoi. Je veux dire, face à tout ça. Ça faisait plus ridicule de la séparer que de l'inclure. Qu'elles soient incluses ou séparées, il est ridicule, ton Ringrigou. Tu sais pas aimer les rondeurs d'un Ringrigou. C'était la première à cracher sur le Ringrigou tellement il y en avait, et maintenant elle le défend corps et âme, parce que c'est le seul qu'elle a. Disons que sur tous les Ringrigous qu'il y a, c'est pas l'un des plus moches. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et à la prochaine. Bye.